Le paquet énergie propre offre un cadre assez complet de droits pour les consommateurs pour ce qui concerne leur information et leur protection. Assez ambitieux par rapport à tous les cadres législatifs que nous avons eus précédemment. Cela concerne des droits tels que le changement de fournisseur et les frais qui sont attachés, les droits compteurs intelligents, mais également la surveillance de la précarité énergétique. Je vais mettre l'accent sur trois points, effectivement. D'abord, le fait que le consommateur peut devenir autoconsommateur et peut bénéficier de l'énergie qu'il va produire lui-même, mais il peut également la vendre sous forme de stockage. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le consommateur peut aussi bénéficier financièrement de l'effacement de la demande, soit directement en contractant des contrats d'électricité à tarification dynamique, soit par l'intermédiaire d'agrégateurs. Et troisièmement, le paquet crée aussi de nouveaux acteurs, qu'on appelle les communautés énergétiques de citoyens, qui auront des droits et obligations et qui seront des acteurs à part entière de la transition énergétique. Avec ce cadre complet de droits pour les consommateurs, nous pensons que nous répondons non seulement aux besoins techniques de la transition énergétique, mais aussi aux besoins socio-économiques de nos citoyens qui demandent à devenir des acteurs à part entière de la transition énergétique. Souvent, lorsqu'on parle de la volatilité des prix, on a tendance à se concentrer sur les pics, donc sur les prix très élevés, sur une période relativement courte. Mais au fait, il faut regarder la volatilité des prix sur toute la période de facturation des consommateurs. Et la Commission a entrepris un certain nombre d'évaluations à partir de données réelles de consommation en Europe, sur différents marchés, liées aux prix très volatiles du marché de gros. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'au final, sur la période de consommation, le consommateur était gagnant parce que sa facturation était relativement basse, restait basse. Et c'est ça l'élément important qu'il faut garder, c'est que cette volatilité, en général, elle est positive et bénéfique pour le consommateur. Si en plus le consommateur modifie sa consommation en fonction justement des prix, le gain est d'autant plus élevé. L'autre élément à prendre en compte pour garantir des prix bas sur une période beaucoup plus longue, c'est de s'assurer que les marchés sont concurrentiels et interconnectés. Pourquoi ? Parce que sur un marché concurrentiel, nous allons avoir plusieurs acteurs qui vont se faire justement concurrence et le marché ne va pas être dépendant d'un seul fournisseur qui risque de dominer le marché et d'imposer des prix qui ne seront pas forcément les prix les plus bas. Par ailleurs, avoir un fournisseur dominant ou quelques-uns risque également d'être dangereux d'un point de vue de la sécurité d'approvisionnement. C'est pour cela qu'il convient d'avoir des marchés interconnectés qui permettent de pouvoir jouer sur la solidarité avec les autres pays pour bénéficier de surplus lorsqu'on en a besoin. Donc ces deux éléments combinés, marché concurrentiel, marché interconnecté, sont les ingrédients aussi de prix bas au bénéfice des consommateurs.